Salam YouTube, bienvenue à tous. Bon, ça va être une série de vidéos, tous les achats, brocantes et hors brocantes du mois de septembre. J'ai pas le temps de filmer en ce moment, c'est long le montage, c'est très très long. Donc j'espère que vous allez apprécier le format. Pour tout commentaire, laissez des commentaires, je vous répondrai évidemment comme d'habitude. Celui qui n'est pas abonné s'abonne, ça fait plaisir, ça m'aide pour agrandir la chaîne et puis liker, merci beaucoup. J'ai acheté ça à 2 euros. Il en avait d'autres, mais le monsieur il a rajouté trop, était un peu fou dans les prix, donc j'ai pris le moins cher. Voilà. Et c'est le numéro 7 celui-là. J'ai acheté un power bank aussi, c'est toujours utile, 2 euros. Il est à la base d'€1,50, donc j'ai négocié 50 centimes. C'est toujours utile d'en avoir un. Je le laisserai dans la voiture celui-là. Autre endroit, autre jour, je suis parti à Noz aujourd'hui et j'ai trouvé des bandes dessinées qui étaient assez sympathiques. 2 euros pièce, moi je kiffe, y a rien à redire. Merci Noz. Batman, j'ai pris que des Batman, donc 2 euros. Encore Batman, mais il y a plusieurs histoires dedans. Encore Batman, mais c'est pas Batman, c'est Batgirl avec comment on dit ça? Les Birds of Prey. Donc c'est connu, ils ont fait un film récemment sur ça. Nous voilà de retour de vide-grenier pour ce dimanche 12 septembre 2021. Je suis parti à Cyrémélo et honnêtement, alhamdoulilah, les gens étaient très très bien, des gens très très bien, très accueillants, polis. On négocie tout, et ils lâchent tout comme ils. C'était très simple, très facile, alhamdoulilah, alhamdoulilah, impeccable. J'ai ramené beaucoup de cadeaux pour mes enfants, du moins beaucoup de cadeaux, un peu, pas beaucoup. J'ai pris 10 euros, je voulais pas dépenser, je voulais pas dépenser, mais alhamdoulilah, j'ai trouvé des choses pas chères. Donc pour 1 euro, ce coffret-là. Je suis fan de cette série. Également pour 1 euro, la série X-Files, la saison 1. Alors je suis gros fan aussi. Trop bien. Pour 3 euros, des pistolets à billes. Bon, vous savez, c'est de la gnognotte. Hein. C'est du plastoc. Ça se casse au bout d'une semaine, même pas. Mais bon, si ça fait plaisir à mes enfants, pourquoi pas. Un lot d'anciens smartphones débloqués à 3 euros. Voilà. Ils étaient à 2 euros pièce. Moi, je négociais. Voilà. J'aime bien. Puis c'est la nostalgie, puis ça c'est solide, hein. Ça tient 50 piges, 100 ans, millénaire peut-être. 1 euro pour ranger mes DVD, parce que moi les boîtes je les vire, j'ai pas de place à la maison, sauf les jeux vidéo je vire pas les boîtes. Et enfin ce guide pratique Fortnite, voilà 1 euro, c'est pour mon fils, tout simplement, c'est un fan de Fortnite. Aujourd'hui on est le dimanche 19 septembre, c'est le compte rendu vide-grenier. Encore une fois, j'ai pas le temps de faire les montages quand c'est du live. Ça prend énormément de temps, ça prend 2 heures. J'ai d'autres choses, d'autres projets en cours. Donc voilà, je vous fais juste les comptes rendus. Ça va peut-être plaire à certains et pas plaire à d'autres. Je suis désolé pour ceux que ça ne plaise pas. Toujours dans la collection de voitures Hot Wheels de mon petit garçon Ryan, je lui ai acheté 3 petites voitures. Donc ça, c'est du Hot Wheels. Franchement, elles sont vachement belles. Elles sont dans un état assez propre. Je vais les nettoyer, évidemment. Ensuite, un jeu que je cherchais depuis longtemps. Et franchement, pour pas cher. Oh là 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 là. 1 euro. J'étais trop content. Le vide-grenier, il est à Randeville, dans le 60. C'est à côté de mes rues. Et un autre. Celui-là. C'est du Mario, c'est une valeur sûre, hein. Donc forcément j'ai pris, puis 1 euro. Et les CD ils sont propres, ils sont vachement propres. Et ce petit lot à 5 euros. Au départ j'avais pris beaucoup plus de jeux Xbox 360, mais après vérification les jeux étaient rayés. Moi les jeux rayés j'en veux pas. Je les prends pas, mauvaise expérience avec. Voilà. Donc 5 euros franchement c'est une bonne affaire. Le Animal Crossing, j'en veux pas. Je l'ai pris plus pour la revente, histoire d'amortir un peu le gasoil que j'ai dépensé. Sur eBay, je vais le mettre peut-être à 6 euros plus les frais de port. Ça fera environ 8 euros, quoi. Bon, mes enfants, ils aiment bien Lapin Crétin, donc forcément, j'ai acheté celui-là en Wii. Et les jeux Wii, c'est dur à trouver en ce moment. C'est très très dur. Donc, dès que je vois du jeu Wii, moi, je saute dessus directement. Je sais même pas ce qu'il vaut, Lapin Crétin. C'est un jeu débile, hein, bon. C'est pour les enfants, ça fait rien. Ça fait rien. Ça leur fait plaisir. Une valeur sûre. Et franchement, j'ai jamais joué. Je vais essayer tout à l'heure, Inch'Allah.
C'est violent, c'est violent, mais c'est marrant. Bref, vous connaissez hein, GTA, vous connaissez la firme. En espérant qu'il n'y ait pas trop de choses vulgaires dedans. J'espère. Après, c'est du GTA, faut pas oublier que c'est violent, moins de 18 ans, tout le tralala. 9 sous blister, c'est Xbox 360 Halo Wars. 9 sous blister. Voilà, il n'a jamais été ouvert, donc je suis content. Celui-là, je vais y jouer aussi, Inch'Allah, tout à l'heure. Voilà.